Je n'ai aucune envie de me confesser. Vous savez très bien que je ne demande que la justice. Depuis que cette horrible femme est entrée dans la maison, je... Restez calme. Je suis calme. Je vous souhaite être aussi calme que moi. Je les ai entendus cette nuit. J'étais juste sous leur fenêtre dans le parc. Ils ne prennent même plus la peine de fermer leur rideau. Je sais parfaitement qu'ils s'arrangeront pour me chasser coûte que coûte. Je dois partir mardi prochain. Maman trouve ce projet très convenable. Très pratique. Convenable. Il y a de quoi se tordre. Mais elle croit tout ce qu'ils lui disent. N'importe quoi. Absolument comme une grenouille que une bouche. Ne parlez pas de votre mère. Vous ne l'aimez pas. Mais... Oh, vous pouvez continuer, je la déteste. J'ai toujours détesté. Elle est imbécile et lâche. Elle n'a jamais su défendre son bonheur. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Laissez-moi. Si vous aimiez votre père, vous ne resteriez pas dans cet état de révolte. Je ne respecte plus mon père. Je crois que je le hais. Je les hais tous. Mais je me vengerai, je me sauverai n'importe où. Je me déshonorerai, je lui écrirai « Voilà ce que vous avez fait de moi » et il souffrira ce que j'ai souffert. Il me semblait que je lisais à mesure sur ses lèvres d'autres mots qu'elle ne prononçait pas. Vous ne ferez pas ça. Ce n'est pas de ça que vous êtes tenté, je le sais. Donnez-moi la lettre. La lettre qu'il a dans votre poche. J'ai parlé au hasard, je suppose. Et cependant, c'est étrange. J'étais sûr de ne pas me tromper. Donnez-la-moi. Elle n'a pas essayé de résister. Elle m'a tendu la lettre. Vous êtes